Voyons maintenant la lettre Vel, qui ressemble à la lettre Del, qui ne possède pas de point. Au niveau de la prononciation, en fait, on va placer le bout de sa langue entre les dents du haut et du bas, comme pour la lettre Fa, en fait. Et on va prononcer le mot Vel. Vel. Pour les personnes qui ont déjà pratiqué l'anglais, en fait, c'est pareil pour this, that, those, this, that, those, vel. Donc, répétez, enregistrez-vous et aidez-vous également des vidéos qui sont sous cette vidéo. Alors, à titre d'exemple, j'ai choisi le mot zib. Zib, qui signifie loup. Vous voyez la lettre vel, suivie de la hamza. La lettre ba, comme nous avons vu précédemment, zib.